Aux États-Unis, les routes qui relient un État à un autre traversent des milliers de kilomètres de vastes étendues désertiques. S'il est facile d'y disparaître de son plein gré, c'est également un endroit rêvé pour les tueurs en série qui y cachent aisément les corps de leurs victimes. Un tueur en série commet plusieurs meurtres de suite sur une période donnée. Il se déplace souvent. Il pourra donc tuer une, deux ou trois personnes dans une ville, puis recommencer dans une autre, et ainsi de suite. Une fois les corps retrouvés et identifiés, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent de personnes ayant coupé les ponts avec leur passé. Trouver ensuite le lien entre ces meurtres relève quasiment de l'impossible, compte tenu de la dimension du pays, et surtout du fait que chaque État possède sa propre police. Le 6 novembre 1978, un officier de patrouille découvre une voiture abandonnée sur la route 35 dans le comté de Williamson, au Texas. Elle appartenait à un adolescent, Kevin Kay, dont la disparition avait été signalée. On l'avait vu pour la dernière fois partir au volant de sa voiture, retrouver sa petite amie, Rita Salazar. Ne trouvant rien dans la voiture, la police examina les environs. Elle découvrit tout d'abord un portefeuille, puis le corps d'un jeune homme. Il s'agissait bien de Kevin Kay. Il avait reçu 10 balles dans la tête, la poitrine et le dos. Le même jour, à 110 km de là, on retrouva le corps de Rita Salazar, lui aussi criblé de balles. Jim Boutwell, shérif de la police du comté de Williamson, ne trouva aucun indice permettant de révéler l'identité du tueur. Un an plus tard, le 31 octobre 1979, on retrouvait aux abords de la même route 35 le corps d'une jeune fille entièrement nue, à l'exception de ses chaussettes. Boutwell et son équipe ne purent jamais l'identifier. On finit par l'appeler la fille aux chaussettes oranges. Au printemps 1980, une vingtaine d'autres meurtres commis sur la même route 35 avaient déjà été signalés au shérif Boutwell. Bien que ces meurtres aient été commis de manière très différente, il finit par se demander s'il n'existait pas un lien entre eux. Et en octobre, des policiers de 18 États indépendants se réunirent pour en débattre. Hormis la route sur laquelle ils s'étaient produits, tous ces crimes avaient très peu de points communs. Néanmoins, et d'une façon totalement imprévue, cette réunion devait enfin porter ses fruits deux ans plus tard. En 1982, le shérif Bill Conway, du comté de Montague, au nord du Texas, enquêtait sur la disparition d'une veuve de 80 ans, Kate Rich. Elle avait disparu de son domicile depuis septembre. Conway arrêta Henry Lucas, l'homme à tout faire de Madame Rich. Il l'interrogea également sur la disparition de Becky, la femme de Lucas. Après 10 jours de détention, Lucas s'effondra soudain et reconnut avoir tué sa femme ainsi que Madame Rich. Il continua par cette extraordinaire déclaration. J'ai eu 360 victimes dans 36 États et 3 pays différents. Elles ne savaient jamais ce qui allait leur arriver. Je les ai tués par balles, à coups de couteau, par strangulation, au cou, et j'ai aussi participé à des crucifixions d'humains. Dans tout le pays, il y a des gens comme moi qui tuent. Le shérif, abasourdi, écouta Lucas lui donner des détails précis sur les meurtres qu'il avait commis dans la région et sur la manière dont il avait poignardé Kate Rich alors qu'il la conduisait à l'église. Après avoir traîné son cadavre derrière un talus, il l'avait violé puis dissimulé dans un tuyau d'évacuation sous la route. Plus tard, il était venu récupérer le corps et l'avait brûlé dans le poêle de la chambre qu'il occupait à la Maison de la Prière, une communauté religieuse. Puis il avait mis les quelques os qui restaient sur un tas d'ordures dehors. Phil Ryan, officier de la police montée du Texas, qui avait également enquêté sur les disparitions, vint rejoindre le shérif Conway. Ils amenèrent Lucas sur les lieux mêmes où il disait avoir commis un crime ou s'être débarrassé de ses victimes, et y trouvèrent des corps en décomposition, ainsi que des vêtements. Lucas avait bien dit la vérité, et il fut accusé de ces meurtres le 17 juin 1983. Se souvenant de leur réunion en 1980 à propos des meurtres de la route 35,
le shérif Conway appela le shérif Boutwell et lui demanda s'il voulait interroger cet homme borgne qui, sans motivation apparente, venait d'expliquer deux meurtres et en avouait beaucoup d'autres. Boutwell vint voir Lucas. Dès qu'il lui eut dit qu'il venait du comté de Williamson, Lucas s'écria « Oh, j'en ai tué plusieurs là-bas !» et il reconnut la jeune fille aux chaussettes oranges comme étant l'une de ses victimes. Lucas venait d'avouer plus de 100 crimes. Mais avant même que la police puisse vérifier ses déclarations, l'information s'était ébruitée. Les journalistes se pressèrent pour interviewer l'homme qui avait peut-être arrêté le pire tueur en série des États-Unis. À l'heure actuelle, nous avons retrouvé les restes de 4 cadavres correspondant aux aveux de Lucas. On demanda à Conway ce qu'il pensait des 100 crimes avoués par Lucas. Ça ne me surprendrait pas du tout. Les interrogatoires de la police révélèrent que Henry Lucas était né en Virginie en 1937. Fils de prostituée, il avait eu une enfance épouvantable. C'est comme ça que j'ai été élevé quand j'étais enfant. Comment? En regardant ma mère avoir des rapports sexuels. Pas question qu'elle aille dans une autre pièce. Elle voulait être sûre que je sois là avant de commencer. Elle le faisait exprès pour m'obliger à la regarder, vous savez. Oh, je détestais ça. Je me sauvais même de la maison pour me cacher dans les bois. Et je ne voulais même plus rentrer. Et quand je rentrais, elle me battait. Parce que j'étais parti. Et je ne peux pas dire ça. Vous savez, je ne lui en veux pas pour ça. C'est de penser à la façon dont elle le faisait. Aucun enfant ne devrait être élevé dans cet environnement. Comment on peut? Autrefois, je haïssais cela. C'est juste une haine intérieure qui ne me quitte pas. Il avait perdu son œil gauche après un accident et des coups particulièrement brutaux avaient provoqué des lésions cérébrales. Lucas déclara avoir commis son premier meurtre à l'âge de 14 ans en étranglant une jeune fille pendant une tentative de viol. En 1960, il fut condamné à 40 ans de prison pour avoir tué sa mère à coups de couteau lors d'une dispute. Relâché en 1970, il retourna en prison peu de temps après pour viol. Avant d'être mis en liberté en août 1975, il aurait mis en garde les autorités. Je leur ai dit avant de sortir de prison que j'allais commettre des crimes. Je leur ai dit quel genre de crime je commettrais. Et ils n'ont pas voulu me croire. Ils m'ont dit que je sortirais, que je le veuille ou non. Et j'ai commencé à tuer le jour même où je suis sorti de prison. Après sa libération, Lucas rencontra Otis Toole en Floride. Les deux hommes devinrent amants et se lancèrent dans une série de vols et de meurtres. Lucas rencontra Becky Powell, la nièce d'Otis Toole, alors qu'elle n'avait que 11 ans et vivait à Jacksonville, en Floride. Elle n'avait pas encore 15 ans lorsqu'ils devinrent amants. Après le suicide de sa mère, Becky rejoignit Lucas et Toole et ensemble, ils parcoururent les États-Unis de bout en bout pendant des mois. Toole reconnut plus tard avoir commis plusieurs crimes avec Lucas, même si ce dernier tentait de protéger Becky de ses activités meurtrières. En fait, j'évitais de tuer devant eux. Mais ils se faufilaient souvent derrière moi pour voir ce que je faisais. Alors, je les attrapais, je les grondais. Toole les quitta, et en mai 82, le couple arriva à Ringgold, et Lucas commença à travailler chez Mme Rich. Mais lorsqu'elle les trouva en train de faire l'amour dans son lit, Mme Rich renvoya Lucas. Le couple vint vivre dans cette communauté religieuse à la lisière de la ville. Mais peu de temps après, Becky demandait à retourner en Floride. Ils firent du stop et s'arrêtèrent un soir pour dormir dans un champ au nord-est du Texas. Ils se disputèrent, et dans ses aveux enregistrés en vidéo, Lucas décrivit la suite. Je me suis déshabillé, je me suis allongé sur le sol. Ensuite, Becky a enlevé tous ses vêtements, sauf son slip et son soutien-gorge. Là, elle s'est mise à me hurler dessus, et elle m'a frappé sur le côté de la tête. Alors je l'ai frappé avec un couteau. Quand vous dites que vous l'avez frappé avec un couteau, que voulez-vous dire? Eh bien, je l'ai frappé à coups de couteau. J'ai pris le couteau sous la couverture, je l'ai sorti et l'ai frappé en pleine poitrine.
Comme pour tant de meurtres qu'il déclarait avoir commis, Lucas possédait un sens troublant des détails. Le meurtre de Becky était l'un des rares qu'il semblait regretter. Je me rappelle bien être revenu là où je l'avais laissé. Et j'ai coupé son corps pour essayer de l'enterrer. Et je n'arrivais pas à l'enterrer. Je suis bien revenu 20 fois voir ce corps, m'asseoir et lui parler. Et je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je revienne et que je lui parle. Je suis même revenu voir son corps alors que la police m'avait déjà interrogé. En effet, après la disparition de Mme Rich, Lucas avait dû être relâché pour manque de preuves. Il disparut ensuite de la communauté religieuse pendant plusieurs mois, avant d'être à nouveau arrêté par le shérif Conway, officiellement pour détention d'armes sans permis. En plus de ceux du Texas, Lucas mentionna des meurtres qu'il aurait commis entre 1977 et 1983 dans des États aussi éloignés les uns des autres que la Floride et la Californie, la Géorgie et Washington, le Nouveau-Mexique, le Michigan et l'Illinois. Alors même que les aveux de Lucas l'impliquaient dans un nombre croissant de meurtres, Otis Toole se trouvait déjà en prison dans sa ville natale de Jacksonville, en Floride, condamné à 15 ans de réclusion pour incendie criminel. Lucas était maintenant interrogé par des policiers venus de tous les États-Unis. Il lui arrivait parfois d'avouer des meurtres qu'il aurait commis le même jour dans des endroits si éloignés que de toute évidence, il mentait. Mais le nombre de crimes qu'il déclarait avoir commis était impressionnant. Je pense que quand on en aura fini, en comptant les miens et ceux de l'autre, il y en aura bien pour plus de 500. Dans un grand nombre de cas, les informations apportées par Lucas ne faisaient aucun doute. Il révéla des détails convaincants sur environ 175 meurtres commis tout seul, ainsi que sur 65 accomplis avec Otis Toole. Toole reconnut pour sa part avoir tué entre 35 et 50 personnes, la plupart avec Lucas. Le 12 août 1983, Lucas fit sensation lors de la lecture de l'acte d'accusation pour le meurtre de Becky, en rétractant ses aveux et en plaidant non coupable. C'est un comportement qu'il devait adopter à maintes reprises pendant les quelques années qui suivirent. Néanmoins, le 30 septembre, il plaida coupable pour le meurtre de Kate Rich et fut condamné à une peine de 20 à 75 ans de prison. Les aveux de Lucas enregistrés sur bande vidéo devaient être décisifs lorsqu'il comparut pour la deuxième fois devant le tribunal. Car, ironie du sort, dans la plupart de ces affaires, la police ne possédait que peu de preuves tangibles en dehors des propres aveux de Lucas. L'avocat de la défense, Tom Whitlock, tenta de plaider la maladie mentale et donc d'empêcher la diffusion de la vidéo. Lucas subit alors des tests psychiatriques qui furent présentés au tribunal. On ne trouva pas de traces suffisantes de maladie mentale chez Lucas et en conséquence, le juge Boyd rejeta les arguments. Durant l'audience, après avoir visionné ces vidéos, l'accusation soumit Lucas à un contre-interrogatoire détaillé. La salle du tribunal put alors entendre Lucas reconnaître sa culpabilité et le voir s'effondrer en pleurs. Il semblait réellement bouleversé en décrivant le meurtre de la seule femme pour laquelle il ait jamais eu de l'affection. Mais les larmes de Lucas allaient-elles influencer les jurés? Finalement, on ramena Lucas au tribunal pour attendre le retour du jury et le verdict.
Nous, le jury, déclarons l'accusé Henry Lee Lucas coupable du meurtre tel qu'il est allégué dans l'acte d'accusation. Maintenant, mesdames et messieurs, est-ce votre verdict unanime? Y a-t-il des questions, mesdames et messieurs? Le lendemain, le juge Boyd condamna Lucas à la prison à vie. Comparaissant dans le comté de Williamson lors d'un troisième procès pour le meurtre de la fille aux chaussettes oranges, Lucas se retrouva face à une accusation décidée à obtenir la peine de mort. Mais de nouveau, on ne possédait que ses propres aveux, et Lucas se rétracta. Les avocats de la défense déployèrent des efforts considérables pour que ses aveux ne soient pas cités. Mais le juge rejeta leur demande et le 2 avril 1984, le procès reprit. L'accusation put produire la cassette vidéo des aveux de Lucas dans laquelle il reconnaissait avoir tué la jeune fille aux chaussettes oranges, dont on ignorait toujours l'identité. La défense fit appel à des psychiatres qui déclarèrent Lucas schizophrène et qu'il éprouvait une haine farouche envers les femmes. Mais les jurés ne s'apitoyèrent pas et déclarèrent Lucas coupable. Le vendredi 13 avril 1984, il était condamné à mort par injection. Mais les autres crimes de Lucas nécessitant davantage d'investigation, la date de son exécution ne devait pas être fixée avant 5 ans. En effet, en novembre 83, le service de sécurité publique du Texas avait mis en place un groupe spécial chargé de coordonner toutes les informations fournies par Lucas et Toole sur l'ensemble de leurs meurtres. Et en décembre 83, une première conférence avait été organisée au Texas, suivie d'une seconde en janvier 84 en Louisiane. 107 policiers de 10 états différents y avaient assisté. Devenu un centre d'intérêt national, Lucas était un homme transformé. Il s'était fait soigner les dents, avait pris de l'embonpoint et paraissait plus propre. Des policiers du pays entier attendaient leur tour pour l'interroger sur des affaires restées sans solution. Monsieur Lucas a immédiatement admis être l'auteur de deux crimes, celui du Nevada et le nôtre. Il nous a dit pouvoir jurer que c'était bien son homicide. Il m'a semblé le dire honnêtement, comme je m'y attendais. Il m'a donné de nombreux détails et nous sommes quasiment certains que M. Lucas est bien l'auteur de ce crime. Afin de corroborer les preuves, Lucas fut emmené par la police sur les lieux de ces crimes, parcourant ainsi les États-Unis. C'est au cours de ses voyages qu'il fit part d'un autre élément bizarre. Il déclara être rentré avec Toole dans une secte satanique nommée la Main de la Mort et avoir tué pour celle-ci. Il prétendit également avoir kidnappé des enfants qu'il aurait emmenés au Mexique afin de servir à des rites sataniques ou à des films d'horreur. Les autres détails donnés par Lucas suffisaient à faire frémir. Généralement, la personne est morte avant de s'en rendre compte, à coups de couteau, étranglée ou par balle. C'est arrivé plusieurs fois comme ça que je les poignarde. Je l'ai vu après sans que je m'en rende compte. Je peux simplement dire que je suis désolé de ce qui s'est passé. J'aimerais pouvoir leur rendre la vie, mais je peux pas. Mais je suis sûr qu'elles sont au paradis. Ma vie n'est rien comparée à la leur. Je n'avouerais pas tous ces crimes si je n'avais pas été sauvé. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a sauvé. J'irai au paradis. Ça, je le sais. Lucas affirma alors qu'il avait fait ses premiers aveux après qu'une voix lui eût dit de se repentir. Quelle qu'en fût la raison, les aveux de Lucas impressionnèrent suffisamment la police des États-Unis pour que celle-ci pût enfin clore les dossiers de quelques 78 meurtres qui n'avaient pas été résolus jusque-là. 15 meurtres en Californie pendant l'année 1977. Une mort à coups de couteau à Houston en septembre 1977.
Un viol avec meurtre à Kennewick, dans l'état de Washington, en octobre 78. Les meurtres de la route 35 dans le Texas. Une série de meurtres dans le Michigan et dans l'Illinois au cours du printemps 79 et deux meurtres à coups de couteau dans un magasin d'alcool à Austin en octobre 79. Neuf crimes en Géorgie au cours du printemps 80 et huit meurtres de femmes en Floride peu après. Il semblerait que sa haine du monde datant de son enfance en ait été la cause. Son désir de vengeance se manifestait sous forme de sadisme envers les femmes. J'avais juré la mort des femmes. Pour moi, elles n'avaient pas besoin d'exister. Je les détestais et je voulais abattre toutes celles sur lesquelles je pouvais mettre la main. J'aurais fait du bon travail. Mais Lucas pouvait prendre un air sympathique et inspirer la confiance. Comme beaucoup de tueurs en série, il parvenait à masquer sa folie. Personne, pas même un psychiatre, ne peut déceler la folie chez ces individus. Et si vous engagez la conversation sur autre chose que leurs actes de violence, elles peuvent paraître tout à fait normales. Et certains psychiatres refusèrent d'admettre que Lucas était un schizophrène ou un sadique sexuel. Pour eux, le fait qu'il fût sous l'emprise de drogue ou d'alcool au moment des meurtres et qu'il eût de graves lésions cérébrales était suffisant. Curieusement, on estima qu'Otis Toole pouvait se comporter en sadique sexuel, mais plutôt sous l'influence de son partenaire, Henry Lucas. En décembre 83, on emmena Lucas voir Toole en prison, mais rien de concret ne ressortit de cette rencontre. Il s'avéra que parmi les nombreuses déclarations de Lucas, certaines étaient fausses et incohérentes. Quelques journalistes tentèrent alors de démontrer que la plupart de ses aveux étaient des canulars. La police elle-même fit parfois preuve d'un scepticisme considérable. Lucas lui-même a reconnu ne pas avoir toujours été honnête avec la police. Et je crois que presque tous ceux qui ont participé aux interrogatoires savent qu'il lui est arrivé de mentir. Mais la question est de savoir dans quelle mesure il a menti et s'il avait un partenaire ou non. On dit que Lucas fit parfois preuve de trop de zèle pour revendiquer un crime auprès de la police, trop heureuse de classer enfin des affaires jusque-là sans solution. On ne tint pas compte de ses déclarations les plus exagérées. Il est évident qu'il n'a pas tué 600 personnes. Et 210 ? Je doute qu'il ait tué 200 personnes. Mais la plupart des policiers chargés des enquêtes pensaient qu'en dépit des exagérations et des mensonges, les renseignements fournis par Lucas comprenaient tant de détails et de précisions qu'il devait bien être l'auteur des meurtres qu'il revendiquait. Quoi qu'il ait pu inventer, cet homme, sans aucun but dans la vie, petit et borgne, est probablement le pire tueur des États-Unis, avec au moins 150 meurtres à son actif. Mais le plus terrifiant, c'est que même Lucas arrêté, il reste encore sur les routes des États-Unis de nombreux rôdeurs en proie à une fascination macabre. J'en ai traqué sur tout le territoire des États-Unis, par pure rancune, pour les tourmenter. Chaque fois que des femmes s'arrêtaient ou allaient quelque part, j'étais là. Je les suivais sur l'autoroute, je jouais avec elles, je faisais semblant de partir et les laissais me dépasser. Une femme seule n'est vraiment pas en sécurité. Pensez, si j'étais là, si quelqu'un comme moi était là,